Une première expérience en dehors des laboratoires, libérer des moustiques génétiquement modifiés dans la nature, dans l'espoir de réduire leur capacité à propager le paludisme, une maladie souvent mortelle. Dans le cas du Burkina, les chercheurs ont relâché environ 5000 moustiques mâles à Surukudinga, un village situé dans les environs de Bobo-Dioulasso. Les moustiques ont été injectés sous forme d'embryons avec l'enzyme qui les stérilise. L'action de cette enzyme continue même après la fécondation. C'est-à-dire que lorsque le mâle s'accouple avec la femelle, les gamètes femelles qui ont tous les chromosomes X, l'enzyme spécifique étant toujours active, va s'attaquer à tous ces chromosomes X et va les détruire. Les investissements dans les médicaments antipaludiques, les moustiquaires et les insecticides ont ralenti le paludisme au cours des deux dernières décennies en Afrique. Mais le paludisme a encore tué plus de 400 000 personnes sur tout le continent en 2017 et l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que les progrès dans la lutte contre la maladie stagnaient, incitant les chercheurs à trouver de nouvelles approches. Donc l'objectif final en fait de Target Malaria justement, est de pouvoir développer un outil de lutte génétique qui va être durable dans le temps, abordable, avec une question de coût-efficacité vraiment qui est à l'avantage du projet. Mais des activistes burkinabés craignent des conséquences environnementales imprévues. Imaginez-vous que ces moustiques qu'on a libérés dans la nature là soient capables de libérer des pathogènes, de libérer des virus dont en temps normal leur corps naturel ne pouvait pas héberger. C'est toute une population, on va décimer. C'est tout un écosystème, on va décimer. Et cela transcende même les frontières de Burkina. Ces préoccupations sont partagées dans d'autres pays. En novembre dernier, les signataires d'une convention des Nations Unies sur la biodiversité ont émis des incertitudes concernant les moustiques génétiquement modifiés. Donc merci Blanche Sanou pour ce reportage qui dressait l'état des lieux de la situation par rapport à ce projet contre le paludisme. Absolument. Et moi je vous dis merci Mouramadou. Vous revenez jeudi prochain. Jeudi prochain.